Et salut YouTube! Bon, désolé les petites news, ça fait un moment que je suis pas passé. Et ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Covid-19, confinement, toi-même tu sais. Vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait sur le covering chinois là? C'était pas une très bonne idée en fait. D'ailleurs c'est drôle, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message et qui m'a dit regarde dans la publicité là ils ont repris ta vidéo. Et en fait ouais, il y a une publicité, alors j'imagine que c'est une entreprise chinoise ou un truc comme ça, qui a repris des séquences de ma vidéo, je vais vous le mettre là, pour vendre son produit de covering. J'ai explosé de rire. Surtout quand on voit le résultat. Enfin bref, donc juste pour la faire courte, le covering... Ça s'est très bien passé à la pause, nickel. Sauf qu'au bout de... Je sais pas moi, deux semaines, trois semaines, j'ai commencé à avoir des bulles qui sont apparues. Et je dois avoir une ou deux photos là à vous montrer. Et c'était dégueulasse. Du coup j'ai tout retiré. Enfin j'ai laissé que 2-3 éléments. Mais voilà quoi, c'était pas du covering de qualité. Donc forcément ça allait pas tenir. Et je me suis peut-être pris aussi mal. Je l'ai peut-être mal posé, j'ai peut-être pas assez chauffé, j'en sais rien. Bref, ça a pas tenu. Donc il me reste que quelques éléments dont la petite trappe à essence là, avec un sticker Yoshimura dessus. Voilà, si vous voulez quelque chose de propre, je confirme ce que j'ai dit lors de cette fameuse vidéo, passez par un pro quoi. Vous allez perdre moins de temps. Parce que moi ça m'a occupé pendant le confinement, hein. C'était très bien, ça m'a coûté 30 balles. Mais voilà, ça... Ah c'est très bien monsieur, bravo. Si on parlait un peu de la nouvelle moto, parce que oui il y a plusieurs choses. Donc la nouvelle moto, et ben pour l'instant je ne l'ai pas trouvée. Qu'est-ce qui se passe, Pogo? Pourquoi il n'y a pas de test? Alors, les tests pendant le confinement, c'était pas possible. Et là, je suis confronté à une problématique que je m'attendais pas. C'est que il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, de sportive à tester dans les concessions de Chartres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et... effectivement, il y avait même un abonné de Chartres qui m'avait dit « Écoute, si t'as pas de contact, ça va être compliqué pour faire des tests. » Effectivement. Oh là 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 là, la petite R6. Voilà, ce genre de moto, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu la misère. Pour moi qui veux acheter une sportive et il n'y en a pas à tester, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la position, parce que c'est ça. Hein. C'est ça qui va changer, hein, globalement. Donc, pas moyen de faire un test de sportif, donc pour l'instant, je patiente. J'ai été voir des concessions à Orléans. Bon, on est arrivé à Orléans. Putain, bonne surprise, quoi. Vous avez Harley, Kawasaki, Indian, Ducati. Là-bas, il y a Motoax au fond, derrière les arbres. En face, vous avez Honda, Can-Am. J'ai l'impression qu'il y a une petite ZX-6R à l'essai chez Kawa. Je vais peut-être pouvoir tester une sportive, ça serait bien cool. Enfin, tout est centralisé dans le même secteur, ça c'est top. Bon, par contre, c'est à 100 bornes de chez moi, donc faut que je prévoie mon coup, quoi. Si je veux faire un test, j'ai intérêt de les appeler avant. Et ouais, je pense qu'il y a des motos à tester en sportive. Et à travers la vitre, j'ai vu une ZX-6R avec des pneus un petit peu usés, quoi. Vous savez, il n'y avait pas les petites bandes de couleur dessus. Donc j'imagine qu'elle est en test. Donc un 636 en test, ça peut être pas mal. Et une autre bonne nouvelle en plus, c'est que sur Chartres, une concession Honda qui va ouvrir très prochainement. Ce qui veut dire potentiellement un test de la CBR 650R. Ça, ce serait très très bien aussi. Bike Park 28. Ça va être pas mal ça. Mais il y a encore du taf. Hein. Putain, je pense que ça va pas être maintenant. Je fais un appel aux abonnés hein, qui auraient des motos sportives. Si vous vous sentez l'âme pour me prêter la moto quelques minutes, votre moto, en fait, moi je veux pas spécialement rouler ou faire un essai avec d'une heure. Hein. Ce que je veux vraiment tester, c'est faire quelques allers-retours avec la position, savoir comment je me ressens. Alors je sais bien que de toute façon, c'est pas en quelques minutes que je vais me faire un avis. S'il y en a qui se sentent prêts à me lâcher leur...
Alors petite sportive, je suis preneur. Je parle effectivement beaucoup de concessions, de sportives, et je me pose une autre question. Et vous allez peut-être pouvoir m'aider en commentaire. J'hésite soit à la jouer safe et à m'acheter une moto neuve, mais sans équipement. Ça, c'est une option. Soit m'acheter une moto d'occasion. Et là, je prends un peu plus de risques. Pourquoi ? Parce que je m'y connais pas plus que ça. Hein. Je veux dire, on va être honnête. Je suis un jeune motard, je suis pas spécialement mécanicien, pas du tout même. Et acheter une moto d'occasion, c'est toujours un risque, hein, on va pas se leurrer. Parce que le problème d'acheter une moto neuve, c'est que je vais y mettre tout mon argent dedans, je serai incapable de l'équiper dans l'immédiat, et ça me fait chier de rouler avec un pot d'origine, tu vois. Alors que de prendre une moto d'occasion, où t'as déjà une ligne dessus, ça c'est bon quoi. Parce que t'as pas de rodage à faire, t'as déjà un équipement, t'as déjà une ligne. Bah ouais, j'en ai vu des occasions. Hein. J'ai vu un GSXR qui était au top niveau équipement. Sauf que le mec avait l'air de faire quand même beaucoup de pistes. Et ça, je suis pas sûr que ce soit très très bon signe pour le moteur. On est en plein mois de juin là. C'est mort, enfin il n'y a pas grand chose. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose. Comparé à quand je regardais l'année dernière au mois de novembre, quand j'ai effectué ma passerelle. Enfin, il y avait des occasions partout qui étaient top, mais je pouvais pas. Enfin, on est déjà en juin, quoi. J'ai l'impression qu'on est en mars. Les gens vont pas avoir roulé cette année. Ils vont se dire, c'est bon, je revends la moto, elle me sert à rien. Ça va être le moment. Donc voilà où j'en suis, quoi. Je roule moins. Clairement, je roule moins parce que j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie de lui mettre trop de bornes si je veux la revendre à peu près correctement. Elle a 17 162 km. J'aimerais bien la revendre avant les 20 000 parce que psychologiquement il y a quand même une barrière. J'essaye de moins rouler pour la préserver et du coup vous avez moins de contenu. J'ai envie de dire, c'est pas grave, vous en aurez peut-être plus après. Et puis entre nous, ce que vous attendez tous, c'est le changement de la moto. Donc, mais moi aussi, moi aussi. Parce qu'une 400 c'est hyper bien, mais voilà quoi, hein. On pourrait conduire une H2, on le ferait. Ah ouais, alors je dois être le seul mec qui est censé vendre sa moto et qui continue de l'équiper. Ça, c'est totalement moi. J'ai zéro raison, en fait. Normal. Le mec a rien compris à la vie. Il y a des jours où je prends ma moto et je me dis, allez, c'est bon, je l'emmène en concession. Je leur demande de me la reprendre et j'en prends une autre à la place. Comme ça, quoi, sur un coup de tête. Deux, trois fois, ça me l'a fait. C'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. Ma femme qui fait gaffe que je prenne pas le rib avec moi. Alors, il y a l'option aussi, vu qu'on est en juin, que je me dis que je peux patienter encore peut-être jusqu'au mois de septembre-octobre pour voir les annonces d'occasion, etc. Une fois que je vais être au mois d'octobre, je vais me dire de toute façon, je vais pas rouler cet hiver ou peu. Pourquoi t'attends pas 2021 avec les sorties de 2021? Je vais pleurer. C'est encore une possibilité hein, de finir l'année avec la Ninja 400. Mais alors là, pour ne pas lui mettre 2000 km, il me reste 2800 km de marge, j'ai envie de dire, avant qu'elle atteigne les 20 000. Même si ça change rien sur le fond. Hein. C'est mort. Si je dois attendre la fin de l'année, c'est mort. Elle aura plus de 20 000 bornes. Ça, c'est clair et net. Des fois, je me dis même, allez, vas-y, prends une petite occasion à 2-3 000 euros, là, prends-toi un 600 bandit ou un truc, juste histoire de te faire la main. Mais pff, ça me fait chier, quoi, j'ai envie d'avoir une belle moto. Mais ouais, il y a des moments où... En fait, dans ma tête, c'est complètement le bordel, quoi. Tout est possible. Tout est possible, mais il n'y a rien qui avance. Ce qui fait que, c'est frustrant. Non mais de toute façon je me connais, ça va se faire comme ça. Ça va être un coup de presse ou ça va me gaver, je vais l'amener en concession et ça va finir comme ça. Je le sens gros comme une maison, mais ah, vous avez pas idée.